pour le dernier tour du Hippodrome, puis la dernière ligne droite, et vous pouvez l'applaudir, le faire une ovation. L'an dernier, il remportait déjà donc cette épreuve, donc content pour le championnat de France. Et là, il se fait plaisir, Claude, il nous fait plaisir, super, Claude Robin, l'arrivée, il a donc passé l'arrivée, avec une avance certainement confortable, il a réalisé 21,62 de moyenne sur la dernière étape, 20,23 de moyenne donc sur l'ensemble des 6 étapes de ce championnat de France de Pelmajor. Très très beau spectacle que nous avons fait. Claude Robin et Sandro de Vameuil. Mais on va le voir tout à l'heure, on va en parler avec lui, hein, on va le voir tout à l'heure. Bien entendu, nous parlerons longuement de ce championnat qu'il a déjà remporté l'an dernier. C'est ses copains qui doivent être fiers de la cuisine aussi, mais qui donnent bien entendu un coup de main. Et demain, vous verrez en tenue ici. Donc Claude Robin avec Sandro de Varneuil qui remporte pour la deuxième année consécutive ce championnat de France des majors.